Votre présence, combien remarquable. Après 2 ans de vacances, le poste de vice-président est de nouveau occupé en Côte d'Ivoire. Le technocrate Tiémoko Mielekone a été désigné vice-président de la République ce 19 avril 2022 par le président Alassane Ouattara qui s'est exprimé devant le Congrès. Depuis 2011, Tiémoko Mielekone occupe le poste de gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. C'est un technocrate hors pair qui a occupé de hautes fonctions à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et qui a su contribuer au rayonnement de notre pays en Afrique et dans le monde en tant que gouverneur de cette grande institution depuis 2011. Il a exercé cette haute fonction régionale avec compétence, rigueur et dévouement. C'est à Patrick Hachi, ex-premier ministre ivoirien, reconduit dans ses fonctions ce 19 avril 2022, que revient la charge de renommer un nouveau gouvernement resserré de 30 membres contre 41 dans l'ancienne équipe, ceci dans l'optique de réduire les dépenses de l'État. C'est pour tenir compte de la conjoncture économique mondiale et la nécessaire réduction des dépenses de l'État que le gouvernement qui sera mis en place cette semaine sera resserré. Monsieur le Premier ministre, vous avez eu mes instructions à cet effet. C'est le 13 avril 2022 que le Premier ministre déposait sa démission ainsi que celle de tout son gouvernement. La prochaine étape s'annonce donc cruciale. Le casting pour le nouveau gouvernement devra être à la hauteur des défis socio-économiques, sécuritaires et institutionnels de la Côte d'Ivoire.